c'est quand même le double de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, c'était quand même assez difficile. Donc, ouais, il y a quand même un peu d'appréhension. L'idée, c'est d'arriver pas complètement détruit. Hein, et puis, pour être capable de faire le marathon dans de bonnes conditions et terminer la course en prenant du plaisir, parce que c'est ce qu'on est venu chercher, en fait, hein, du plaisir. Moi, je suis pas du tout dans la performance. Je suis là pour terminer, passer un bon moment avec les copains, profiter du paysage, de cette ambiance complètement incroyable. Le reste, c'est vraiment secondaire. Allez, bien. Allez, bon courage, les gars. Merci, à tout à l'heure. Il n'est même pas 11h, trop fort. Donc, par contre, j'ai fait un petit vol plané. Je suis pas sûr que ma chérie apprécie ça. Ouais, une vraie nuit. Ça, c'est aussi une bonne chance parce que je pense à tous les copains qui sont derrière. Et chapeau bas parce que eux, ils vont avoir moins de récupération. Dernier jour. On finit juste par un marathon, donc et au bout, la médaille de finisher et l'accolade de Patrick. Non, ça va être un grand moment. Je pense que la ligne d'arrivée, ça va être un moment d'émotion. C'est qu'on plaisante, mais c'est quand même des moments où on va puiser profond. Ça fait quand même des mois qu'on prépare ça, et passer la ligne d'arrivée, ça va être un moment vraiment intense. Je pense que c'est aussi un peu de tristesse parce que on est tous ensemble, là, on est tous l'hiver. Mais ça va être un peu triste de se dire que c'est déjà fini, en fait. Olivier, alors, t'es attendu par ta famille, hein. Merci. Bravo. Bravo pour le regard. C'est extraordinaire. Oh la vache.